Alors nous sommes ici dans l'avenue commerçante de l'avenue de la Gare, une des principales avenues commerçantes de la ville, avec une proposition de commerce que l'on souhaite préserver mais également diversifier pour que ça corresponde à l'attente des habitants de ce quartier mais également de la ville, quel que soit leur âge bien sûr. Alors pour cela il convient, si on a la capacité financière, et ça on ne peut pas présager de l'avenir, si je suis élue, bien sûr, je m'attacherai à préserver cette offre de qualité, à la développer et à permettre aussi aux habitants ou aux chalands qui passeraient pour venir se servir dans les commerces d'avoir une possibilité de stationnement rapide, ce qui favorise bien sûr le commerce et qui lui permet de perdurer. Voilà. Donc, il y a des solutions comme préempter les commerces ou les espaces vides pour ensuite être dans une démarche de proposition d'une offre cohérente et de qualité. Mais ça suppose des moyens financiers, donc il convient d'abord d'étudier la situation financière de la ville. En tous les cas, pour nous, c'est important de préserver une offre constante sur cet espace qui est, je le redis, la rue commerçante du Vergalan à l'extrémité sud et que l'on a voulu avec un esprit plutôt piéton et circulation très, très lente qui a été réalisée sous le mandat que j'ai conduit sous la précédente mandature.